Des pentes abruptes avec de nombreuses falaises, peu voire pas de chemin pour la randonnée et une forêt sans intérêt économique, la montagne d'Assan entre Guillestre et Seillac attire finalement peu l'attention. Et pourtant, c'est ici que vient d'être créée une réserve biologique intégrale sur 1000 hectares. L'intérêt de la réserve, c'est une grande diversité biologique qui est due elle-même à une grande variation dans les expositions, exposition sud, exposition nord, et dans les altitudes, ainsi que dans le relief qui présente des replats, des barres de roches et des vallons, et donc une zone très diversifiée au niveau de l'ensoleillement et de la qualité des sols. La végétation suit bien entendu cette variabilité ainsi que toute la vie biologique qui s'ensuit. Les réserves naturelles existent soit pour protéger des sites sensibles, soit dans un but scientifique. A priori, il n'y a pas de menace qui pèse directement sur la réserve, donc on va la laisser évoluer naturellement. C'est un endroit où on va faire de la recherche. Voilà. Ici, donc, la particularité de la RVI de Assan, c'est déjà qu'elle est assez grande. Elle fait 1000 hectares, c'est plutôt assez grand pour une réserve intégrale. Elle est essentiellement communale, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et ça c'est plutôt assez exceptionnel au niveau du réseau des réserves. La réserve n'a en effet pu voir le jour que par une volonté forte des communes de Guillestre et Seillac et des équipes municipales qui se sont succédées, car il a fallu convaincre, même si... La présence de l'homme ici, bien qu'ancienne, elle est très réduite. Pendant des siècles, les hommes ont exploité la forêt, parfois au-delà du raisonnable, mais ils n'avaient pas trop d'autre choix que de le faire. Et ce n'est que très récemment que ces forêts ont été soit abandonnées, soit tout au moins très peu exploitées.